Jack, tiers en vue, on y est. Appelle-moi capitaine. Bien, c'est un grand jour pour l'homme aujourd'hui. Dire que c'est notre unité qui va réussir cet exploit. Surtout vu ton talent pour la fuite, Wilson. La ferme, Eric. Je suis biologiste, pas soldat. Je dois vous trouver des jouets pour vous réconcilier. J'en ai dans ma valise. Mon gosse les a oubliés. Oh, ça ira, Sarah. Et si on restait focus, l'équipe? On a un vaisseau à poser sur Mars. Génial, tout se passe comme prévu. On pourra rentrer pour Noël. Jamais je n'aurais pensé que le cadeau de Noël de mes gosses soit... moi. Effectivement, nous sommes partis en janvier et nous sommes en avril. Capitaine, vos calculs ont été parfaits. On va pouvoir intercepter Mars avant qu'elle nous échappe. Démarrez la séquence d'atterrissage. Je ralentis les moteurs. Cran 5. Eric, volez. Fonctionnel, Jack. Wilson, ton cerveau. En place, capitaine. Ok, Geronimo. Mon cœur va exploser! Ne pars pas! Eric? État général? Le vaisseau se porte bien, capitaine! Bien. Waouh! C'est magnifique! On y arrive enfin! C'est bon, paré pour l'atterrissage. Six cents pieds. 400. 200. Zéro. Nous sommes à terre. À Mars. Et n'oubliez pas d'enfiler vos combinaisons, messieurs. À vous l'honneur, capitaine. Ok. Véhicule non identifié. Vous n'êtes pas autorisé à voler dans cette zone. Veuillez stopper votre vaisseau immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Où vas-tu? Arrête-toi! Veuillez arrêter votre appareil immédiatement. Oh non! Pas ici, s'il te plaît! Manuel. Manuel. Ah! Oh voilà! Oh bon sang, il va
Alors, sommaire, matérialisation, dématérialisation, circuit camion. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je remonte le temps. Mais tu vas où? Qu'est-ce que c'était? Aucune idée. Des martiens? Eric, ah, ferme-la. Programme anti-paradoxe activé. Temps rebooté. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu t'es arrêté, machine de malheur? Allô? Eh où? Chier! Mais c'est Mars! Qu'est-ce que je fais sur Mars? Oh. Oh. Bien sûr. Tu me protèges. Bien. Il est temps de s'installer. Sarah, tu t'occupes de poser le campement avec Eric. Ok. Ok. Wilson, prends tes appareils et viens avec moi. Il faut qu'on mesure la stabilité des lieux. J'arrive. Quoi? Hé! Hé! Ouvre-toi! Oh merde! Pourquoi tu m'as amené ici? Bon. Je vais prendre de la hauteur. Sarah, la porte est verrouillée. Elle doit être en sécurité due à l'impact. Tu peux me la déverrouiller, s'il te plaît? Bien reçu. Oula, faut que je m'habitue à cette planète, moi. Alors, tout est comme prévu. La zone est aride. Quant aux radiations, elles sont assez élevées par ici. Elles devaient à quel point? 156 Hz pour le moment, mais ça a l'air d'augmenter. L'équivalent de Tchernobyl, donc. Faut pas traîner en extérieur. Le vaisseau peut largement supporter. Exactement. Mais quelque chose m'inquiète. La température, effectivement. Surveille son augmentation et essaye d'établir notre géolocalisation. Mais attends, c'est le mont Olympus. Et c'est moi. Attention, Eric. Reste quelqu'un de toi! Wilson! Ah.
Est-ce que tu m'entends, Wilson? Wilson! Il faut que j'éteigne cette alarme. Sarah! Jacques, tu vas bien? Tu es blessé. Il faut te soigner, vite! Non, non! Occupe-toi de Wilson. Il faut qu'on parte de là. Mais on vient d'arriver. C'est trop dangereux. Je crois savoir où l'on est. C'est le moment la puce. C'est ce jour. Le jour de l'éruption la plus puissante de l'histoire. Vite, il faut que j'aille les prévenir. Eric ? Eric ! Je suis là ! En dessous des caisses ! Je vais t'aider, mon gars ! Merci ! Tu vas bien ? Ouais, je suis solide. Quel cauchemar ! Vite, il faut qu'on parte ! Jack ! Oh, bon sang ! Oula, je me crie dessus ! Jack ! D'école, où on va tous y passer. Comment va Wilson? Il s'évanouit, il est installé à l'infirmerie et attaché, t'en fais pas. Les moteurs chauffent, on peut y aller. Ok, préparez-vous pour le décollage. Bon sang, il va être trop tard. Jack! On va pénétrer dans l'espace. Prêt? Prêt. 5. 4, attends. 3, 2, Jack, attends. 1. Oh merde. Oh chier. Programme anti-paradoxe activé. Temps rebooté. Une boucle de causalité a été déclenchée. Quoi? Pour c'est quoi cette connerie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis appuyé comme ça? Ok. C'est Mars? Tout ça me dit quelque chose. Mais c'était toi? Bah enfin, moi? Oh non! Jack! Ok, on va s'installer. Wilson, tu peux... Vous avez entendu? Jack! Bon sang! C'est impossible! Qu'est-ce que c'est? Des Martiens? Fermez-la! Il y a autre chose. Je pense que c'est le moment de partir. Il faut qu'on parte vite. Les circuits du vaisseau se sont refroidis, on n'aura pas le temps. Jack, c'est le mont. C'est le mont Olympus. Programme anti-paradoxe activé. Temps rebooté. Une boucle de causalité a été déclenchée. Pour l'interrompre, veuillez résoudre les conflits avec l'histoire passée.
Je sais. Ça fait 3 fois que tu me le dis. Je suis bien trop loin de l'Avorion. Il faut vraiment que tu m'y emmènes. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je t'en supplie. Si tu es bien une machine anti-paradoxe, aide-moi à régler celui-ci. Oui. Je ne sais pas ce qui te prend. Je ne suis pas dangereux. Je sais que j'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait avec les Ustromax. Je le regrette. Vraiment, ce n'était pas moi. Ce Jack dehors, il était cool, bienveillant, pacifiste. C'était un mec bien. J'ai changé, je ne sais pas pourquoi. Merci. Allons-y! Quoi ? Tu as 5 minutes pour partir d'ici. Bonne idée. On part d'ici, vite ! C'était qui, Jack ? On en reparlera après. Tous à vos postes, on dégage. Ça, c'était cool. Manœuvre de décollage enclenchée. Le mont Anopus en éruption, j'aurais tout. On peut y aller, Jack. On va pénétrer dans l'espace dans 5, 4, 3, 2, 1. Quelle belle machine que tu fais. Comment ai-je pu oublier que c'était moi qui m'étais sauvé à l'époque? J'ai toujours été protecteur. Pourquoi ai-je tant changé? Qu'est-ce qui m'a rendu dangereux au point de faire un génocide? Qu'ai-je raté? Jack, c'était qui? Une ombre. Et on va où? On rentre. Et la mission? Le mont Olympus a explosé, ça a rendu la planète instable et on n'a pas assez de carburant pour faire un aller-retour dans l'atmosphère. Cette mission est un échec. Je pensais avoir échoué ce jour-là, mais c'était le début de ma carrière. Bien. Retournons auprès du renard. Doc, tu ne peux pas savoir à quel point je suis content de te revoir. Je viens de vivre quelque chose d'horrible. J'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. Mais depuis quand sais-tu piloter le TARDIS ?